Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus en compagnie de sa chaise qui craque. Bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 4. Donc on reprend la petite aventure hein, pour la forme. Par contre, j'ai l'impression que le son est extrêmement fort, c'est chiant. J'ai débranché mon casque il y a pas si longtemps que ça, chers amis. Et depuis, j'ai l'impression que tout est catastrophiquement modifié. Vous avez senti une différence dans la musique, vous? Bon, ok, c'est pas grave. On y va. J'espère que vous m'entendez correctement, sinon je devrais rebaisser le son. Hop. Alors, je regarde l'heure qu'il est pour qu'on puisse faire un épisode d'une durée correcte. Hop, parfait. Alors, alors. Chargement. Alors, il va falloir qu'on en parle aussi de ça. Parce que bon. J'espère que mes mods sont fonctionnels. Bref, on risque, comme d'habitude, entre guillemets, d'avoir une chier de mods basée sur le thème du sexe. Et c'est déjà en train d'arriver, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'on a une chier de mods qui ne servent strictement à rien. Et quand je dis à rien, salut Preston, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Contacté par radio apparemment. On dirait qu'il y a un problème. Allez donc voir ce qui se passe. J'ai éliminé les pillards qui persécutaient la colonie où vous m'aviez dit d'aller. Les gens de là-bas ont accepté de se rallier à notre cause. Excellente nouvelle. Un jour, on sera assez fort pour chasser ces ordures du Commonwealth une bonne fois pour toutes. Oui, ça c'est toi qui le dis. Je vous préviendrai si j'entends parler d'une colonie qui a besoin de nous. Profitez-en pour proposer de l'aide à tous ceux qui en ont besoin. Ça ne peut que servir notre cause. Bien, monsieur. Hop, un petit peu d'XP. Ouais, donc une chier de mode basée sur le sexe, entre guillemets. Principalement, entre guillemets, sur le sexe féminin, d'ailleurs. En particulier, donc, tout ce qui est CBBE, pardon, j'ai toujours dit, d'ailleurs, CBBE. C'est-à-dire que c'est la modification des corps féminins. Ah, comme elle, par exemple. J'ai déjà payé. Et donc, comment dire, on va tomber sur une chier de mode d'armure, par exemple, qui modifieront de manière sexuelle les armures des femmes. Excusez-moi, je trouve ça parfois... Alors, il y en a certaines qui peuvent être jolies à regarder, etc. Il y en a d'autres où c'est trop limite. Donc, écoutez, bah, je mets... dépendance. Ah oui, d'accord, en fonction des trucs que j'ai sur moi. Enfin, des maladies que j'ai... Enfin, des dépendances que j'ai au truc. Ok, les vieux canons, retourner au château. La proie chasseur, rendez-vous au CIT. Eh ben voilà. On va aller au CIT, donc les vieux canons, on le vire. Le fameux bâtiment qu'on avait visité dans long et en large, en travers, on n'avait pas trouvé, effectivement, je m'en rappelle maintenant. Ici. Donc voilà, maintenant, ça va aller de votre avis à vous, je mettrai pas, c'est clair, ça c'est clair, je ne mettrai pas de nude mode, hein, y a pas de problème de ce côté-là. Vous pouvez aller vous torcher, ou alors si je trouve un skin propre, joli, pour femme et pour homme, je le mettrai. S'il est nude, je ne le mettrai pas, tout simplement, de base. On est sur YouTube, je peux pas me permettre de mettre du contenu majeur, enfin pour personne majeure. Rendez-vous à la fréquence radio du signal chasseur. Ok. Oh putain, c'est Nick. Il me foutait les boules, j'entendais quelqu'un marcher. Voilà. Ah, je pensais que ça allait être là, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a, Kenigou ? Je te suis, hein. C'est un bivouac. Ah, c'est un bivouac. Ok. Donc voilà, oui, je...
Je propose, hein. Encore une fois, vous avez le choix dans cette aventure, comme dans toutes les autres d'ailleurs. Hein. Si vous avez des modes à me conseiller, n'hésitez pas à me les conseiller, des modes visuels. Je vais juste prendre un petit... Alors, j'ai une chier de choses, en fait. Radaway. Et je vais prendre... Je vais prendre un... Il n'y a pas grand chose. J'ai pas envie de prendre un... Bon, je vais prendre un Steam Pack, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Tu m'as pas vu. Ah putain, faut que j'aille dans le campement, fais chier. Hop, une petite sauvegarde rapide. On est passé, ce connard. Ça devrait pas être long. T'es sérieux là? T'as fait du baseball? Tu vas crever, oui ou merde? C'est la voix de Jérémy Rainier, ça c'est génial. Le ménage est fait. Hop. Bah du coup on va faire, non, on va vraiment faire le ménage du coup, mon cher Nick. Wow. Rien de personnel, c'est juste toi et moi. Alors. Bah. Merde. Boum. Excusez-moi un instant. Je me gratouille l'oreille. Parce que sous le casque, c'est chaud. C'est-à-dire quand on a un gros cerveau. C'est toujours une question de taille de cerveau, de toute façon. Hop. Oh. Il y a un bâtiment. Yo. Oh putain. Bien joué. S'amuser avec moi, hein. Oh, oh. Dit comme ça, c'était vraiment très particulier la façon de s'amuser. Oh, il y a de l'orage. Pas un orage radioactif quand même. 75. 78. On sera dans la bonne direction alors. Oh oui. Oh putain, t'es con, Canigou. Donc, il doit pas être loin. Ah, il est autour de ce bâtiment là. Tous les coups. C'est le bâtiment, je vous avais dit que je le trouvais bizarre. ...89, 15... ...90. C'est pas dans la bonne direction qu'on va alors. 89. 88. Ha. 90. C'est ce fichu bâtiment. Mais on pouvait pas rentrer la dernière fois. On est d'accord. Ou alors c'était un bug. On a vu un fameux bug de porte. Oh la gueule. Par contre, sans vouloir te vexer, mon pote, on va couper le signal radio. T'es pas discret. Hein. Y a trop de lumière dans cette zone en plus.
pas de bruit. Faites gaffe, les endroits comme ça, c'est le paradis des snipers. Alors, c'est pas tant les snipers qui me font peur, je pourrais les abattre avant qu'ils ne m'abattent. Alors, quête principale, nous voilà. Nous sommes venus à ta rencontre. Maintenant, à toi de nous satisfaire. Alors. J'espère que vous aimez les escaliers. Ah, il y avait un ascenseur qui était mort. Le chasseur est au premier. Tirez à vue. Et envoyez des renforts dans l'entrée au cas où il y en aurait d'autres. Ça devrait plus beaucoup lui servir. Ah. Un instant. Re, chers amis, alors. Bon. Est-ce que j'ai du son dans mon casque? Une fois, un pauvre type j'ai du son. Pouvoir m'échapper en se planquant. Ah, il a dit qu'il devait avoir à se ramener des mecs. Il a fait 4 étages. Bon, c'est pas grave. Ou alors c'est des mecs qui sont dans cet étage-là. Oh putain, oui, j'ai vu des mecs dans le fond. Au travail. Ils sont là, quelque part. Et sans transpirer une goutte. Bah oui, ils ont transpiré, tu parles. Comme si c'était possible. What? Ils sont combien? Ok, ça sert à rien de freiner. Ah putain, mais pousse-toi, Canigou, tu fais chier. C'est des volets qui se baissent et qui se montent. Qu'est-ce qui se passe en bas? Il y en a combien? Bon, c'est pas grave, on va bourrer. La vodka. Hop. Je vais rendre service à tout le monde. Hop. Pas de coffre, une plaque chauffante quand même. C'est fini pour toi. J'avais pas vu ce bonhomme. Quelques fusibles au cas où. C'est quoi? Tu vas mort. What? Comment t'as fait pour arriver jusque là? Par contre, j'ai pris ton pistolet laser, je voulais pas. On me dit qu'il y a un deuxième intrus dans l'aile est, près de la cour. Ah putain, il balance le sac. Oh. Hop, les... ça c'est fait. C'est bon. Merci pour les munitions. Ils vont tous venir maintenant. Pas de coffre. Une tourelle dans le coin. Qui est là? Quelqu'un approche. Ça va faire mal. Ciao, mon pote. Putain, j'ai plus de balles, fais chier. Kenigou attaque. Qu'est-ce qu'il est foutu dans les chiottes? Ils embêteront plus personne maintenant. Ok. Pousse-toi. Oh, c'est un légendaire, bah je l'ai pas vu. Merci. Bien joué, Kenigou. J'aurais filé les explosifs sur la porte. Potentiellement. Un petit verre à liqueur, ouais, pourquoi pas. Oh là. Il y a quelque chose dans les parages. Le deuxième va venir, le troisième va venir, non? Parce que je me cache pas, hein. À cette fois, vous pourrez pas dire, chers amis, que je me cache pour cette session, hein. Ok.
Pauvre mec. Oh, la montre en or qui était bien planquée. Y'a pas beaucoup de coffres, c'est chiant. Ah bah, mais poussez-vous, putain. Pousse-toi, Nick, t'as un pathfinding de merde. Barricadez les cages d'escalier et les couloirs si c'est pas déjà fait. Oh, ça fume ici. Bizarre. Oh la vache, il se bat dur, hein. Ok. Ils vont sûrement nous avoir pondu une... comment ça s'appelle? Une bobelette dans le coin, donc je pense qu'il faudra faire gaffe. Y'a pas de passage au fait, j'ai pas regardé s'il y avait des portes. Non. Quelques munitions, pourquoi pas. Apparemment non. Tout est bloqué. Alors, on continue. Hop. On arrive au niveau de... Hein? Quoi? Ça va chier! C'est quoi ça? Je crois qu'on n'est pas seul. Je crois qu'on n'est pas seul. Oh la vache! Évitez de courir. Occupez-vous d'abord de cette guibole. Je m'en occupe. Qu'est-ce que cette arme? On n'est pas obligé de faire ça. Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Artilleur légendaire. What? Alors, est-ce que j'ai pris des dégâts? Non, je suis encore en phase de heal, c'est bon. Je vais juste aller vérifier un truc, chers amis, c'est qu'est-ce qu'il y a comme arme qui utilise les armes, les munitions de calibre 50. Ça m'intrigue. Heureux, chers amis. Alors, bon, pas de bol, c'est une arme... C'est soit le fusil de sniper, soit Oh, génial. Soit une arme moisie, vous savez, en fait c'est soit le revolver, entre guillemets, le pistolet. Non, entre guillemets, le magnum constructible, là, vous savez. Donc bon, on a vraiment pas de bol de ce côté-là. C'est vraiment pas l'arme qui m'intéressait. Parce que j'ai une chier de munitions de 50 et je peux pas l'utiliser au final, je pourrais pas l'utiliser toute. C'est bien pour le snipe, mais enfin bon... Pour le reste, c'est pas top, top, top. C'est pas top, top, top. Hop, c'est parfait. Ah mince. Ah mais on va me les prendre ceux-là, carrément. Alors que normalement... Alors sauf si j'ai déjà utilisé, c'est possible. Et je ne me rappelle déjà plus. Alzheimer qui guette, chers amis. Alors. J'y suis. Hop, je m'en doutais un petit peu. Commande de tourelle, bah écoute, désactivée. Ah, donc elle était fonctionnelle encore. Ok, c'est cool. Par contre... C'était soit une grenade. Je suis curieux de savoir en fait ce qui m'a défoncé à ce point-là. Ce qui m'a gelé tout à l'heure. Oh la vache! Bah il avait de quoi faire ici le bonhomme! On a perdu le contact avec les secteurs 2 et 4. C'est bête hein! Porte déverrouillée novice. Il y a des cadavres au bout, je me dis non, j'y vais pas tout de suite. Non, moi j'aimerais aller sur l'espèce de rambarde là. Voir ce qui m'a défoncé. Tant qu'à faire, si possible, avant d'aller voir le boss. What? Ok, son endroit est très bizarre. Il y a clairement un bouton sur lequel je pourrais appuyer. Ok. Oh putain.
J'ai désamorcé juste à temps, j'avais même pas vu qu'il y avait le truc là. C'est pas grave. Toolbox, déverrouillé, bon. Alors. Heureusement j'ai entendu le bip. Génial. Oh, rien. Clairement rien. Ok. Non, c'est... Qui est là ? Personne. Oh, préparez-vous à tirer ! Oh ! Tu vas morfler ! Tant qu'on s'en sort... Désolé pour ta tête. Tu vas morfler ! Mais vous... Vous êtes où pour me menacer ? Kenny, où attaque ? Mon chien ! Wow. Tu commences dégage. Vraiment à me gonfler. Je crois qu'il en reste plus. Non, moi non plus. Un petit peu de cartouche. Ah, c'était ici, d'accord. 4, qu'est-ce qu'on a en 4? 5, qu'est-ce qu'on a en 5? 6, qu'est-ce qu'on a en 6? 7, non, on a rien. 2, on a quelques balles, mais là, on a rien. On n'est pas extrêmement riche en munitions, chers amis. Hein. Je pense qu'il est nécessaire de le dire. Nécessaire d'en parler. Que c'est par là qu'il faut aller ou pas? Seulement. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, j'aurais bien aimé rejoindre l'endroit de tout à l'heure. Hein? Ça aurait été cool. Ok. Je vais pas me plaindre, il y a des munitions. Oh, il y a un missile. Et un steampack. Un Steel Boy, pardon. Je suis stupide. Ok, bon, on va pas se plaindre. Ah bah la voilà, génial. Hop. Cartouche plasma, cartouche plasma, cré. J'ai pris les crés des fois que ça puisse être cool. Un jour ou l'autre. Ouh, ça fait du bien par où ça passe. Ah, c'est les tourelles. D'accord. Je m'en occupe. Lance. Water. Majeur. Ah. Je me serais attendu à ce que ce soit majeur, c'est marrant. C'est pas majeur. Wolves, on a 3. Joli. Je l'ai eu. Commande tourelle. Ah bah elle t'est déjà désactivée, c'est cool. Oh putain. Il va être mignon ce boss, je le sens. Ou plutôt je ne le sens pas. Retournez à vos positions d'origine. Le chasseur est près de l'ascenseur. Par contre c'est con parce que je crois que le bonhomme que j'ai buté tout à l'heure il est tombé. What? Je vais me faire un plaisir de te buter. Et moi donc.
Oh putain, il fait pas mal ce dégât. Ce pistolet. T'es bête ? Vous commencez à devenir copains. Il fait pas de dégâts. Quand je vois le nombre de balles que j'ai tiré déjà. Oh merde. C'est con, je t'avais pas vu toi. Ah, t'es décapité carrément. C'est con. C'est vraiment con. Hop, hop. Rien. Et une quille. Filez-moi tout ce que vous pouvez pas porter. Jusque là, ça va, je tiens le coup. Ah bah c'est celui-là en plus, qui peut utiliser du calibre 50. Par contre, il va vraiment falloir que vous arrêtez de démolir le bâtiment. Ceux qui sont encore en vie, foncez au dernier étage. Au trop. C'est un ordre. On veut à la fille. Quelle fille ? J'ai un fils. J'ai pas une fille. Y'a rien par là. Bon bah on monte. Oh le piège. Hop là. Si on a un, il y en a potentiellement plus d'un. Alors, salut, la forme. Il est pas pigé. Apparemment, non. Allons-y. Oh, je m'en serais douté. Je sais pas pourquoi je le savais que ça allait être comme ça. Vous voyez, avec les poches supplémentaires, on a quand même un bon paquet de place et je trouve ça pratique. Finalement. Hein ? Je pensais que vous aviez plus de jugeote. Ah, ça a déclenché le piège. Kanigou, te fais pas avoir. Merci. Tu vas crever. Ouvre la porte, vas-y. Ouvre la porte, j'attends. Plus personne maintenant. On referme la porte. Effectivement, ils vont être nombreux. Et ce flingue ne fait absolument pas de dégâts. Tuez-les tous. Non, je vais le garder pour le boss. Tiens, je vais prendre ça. Y'a rien. Tu vas morfler. Oh putain. Ouais, j'ai pas la meilleure arme. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a sur nous ? Qu'est-ce qu'on a sur nous ? Laser pistol. Des mines, le pistolet gel qui est moisi. Le bang. Il nous manque peut-être un pistolet laser. Hein. Et sans transpirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Ok. Il y a quelque chose dans les parages. T'es dans la merde jusqu'au cou. Mais non, c'est dans ta tête ça. Hop. Comment tu tires toi? T'as appris à... Putain, Kanigou, tu fais chier. Fais pas le poids, mon coco. Il est bugué, hein. Ça, hey. C'était vraiment couillon. Va là-bas. Tu te casses. Allez. Attendez là. Mais non, allez. Suis-moi. Et tu vas aller là-bas. Oh putain. Oh merde, perds pas la main, hein. Ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toolbox déverrouillé. Ouh. Oh. Vilain jeu. Vilain jeu. Voilà. Ouais. Hop, on prend tout, c'est pas grave.
Alors. C'est chiant le machin qui fait du bruit. Certes, ça rajoute de l'ambiance, hein, d'ambiance sonore, mais bon. Alors j'ai bien vu qu'il y avait des pistolets laser partout sur leurs amis, mais c'est pas ceux qui m'intéressent, on va dire. Du scotch. Ouh. J'ai bien fait de venir. Alors, parce que j'imagine qu'on y est, hein. Hey. Mais putain, canigouf, pas les portes si je te dis pas de les ouvrir. C'est chiant. Un automatique, certainement pas. Allez, cassez-vous. Hop. Alors. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Voilà, je pose mon bordel, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai du bordel partout, chers amis. Hop, voilà. Alors, ça c'est bon, vous êtes là, vous. Le moindre faux pas dans un endroit de ce genre pourrait être le dernier. Terminal déverrouillé maître. Introduced. C'est pas introduce du tout. Discovered, c'est pas discovered. Explosif. Bon. On va en chier. Soyons honnêtes, chers amis, on va en chier. Hop. Progresse. Résistance. Ouais. Ah. Commande de la porte de sécurité. Ouvrir la porte. J'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, pas du tout. Aucune machine ne vous résiste, hein. Non, aucune. Plus ou moins. C'était juste pour les deux réacteurs, je suppose. Casse-toi, Canigou, casse-toi. Hop, merci. Cet endroit est très joli. Hein, toi, un pauvre type a cru pouvoir m'échapper en se planquant dans un de ces trucs. Il a pas fait quatre étages. Et bim! C'est ces putains de lumières qui font un bruit de merde. Oh, il avait des mentats, lui. Des mentats, comme certains disent. Hop. Voilà. Alors. Faites gaffe. Des endroits comme ça, c'est le paradis des snipers. Je ne connais pas ce mot de passe. Parole. Parole. Je n'en crois pas un mot. Oh bon sang. Oh la vache. Non. Ah, il est d'un charisme, ce méchant. Je vais faire ça. Le moindre faux pas dans un endroit de ce jeu. Tear. Non. What? Non plus. Eric. C'est bon. Ah, c'était Eric. Incroyable. Genre pourrait être le dernier. Hello. Qu'est-ce qu'on va y trouver là-dedans? Un plateau repas, des munitions par contre. Et une boîte de soins. On en a pas vu des masses, j'ai dû les louper, hein, les boîtes de soins de ce bâtiment. C'est une erreur tragique de ma part. Hein. Magic. It's a kind of magic. Freed. Found. Ok, bon. Alors. Alors. Et c'est réinitialisé. Est-ce que ce serait... Non, ça peut pas être round. Adobe, il y avait Adobe dans les mots de passe, quoi. Ah, je clique à côté, mot supprimé. Mot supprimé.
Mot supprimé. Mot supprimé. Est-ce que ce serait board? Putain, c'était board, la vache. Hop. Merci d'ouvrir la porte. Hop. Oh. Parfait. Ça y est. Pas dans un endroit de ce genre. Je prends. Pourrait être le dernier. Alors, on continue. Hop. Un tas de macabées. Les chiottes. Faites gaffe. Les endroits comme ça, c'est le paradis des snipers. Les chiottes, c'est le paradis des snipers. Génial. Merci pour la phrase mythique. Je pense que j'appellerai mon épisode comme ça. Les chiottes, c'est le paradis des snipers. Oh. Ok. Approcher. Une fois, un pauvre type a cru pouvoir m'échapper en se planquant dans un de ces trucs. Il a pas fait quatre. J'ai bien vu que vous me suiviez. Z2. Vous êtes ici pour la synthétique. Quelle synthétique? Quelle synthétique? Si vous n'êtes pas là pour la synthétique, c'est moi qui vous voulez. Alors, de quoi s'agit-il? Qui est cette synthétique? Mais c'est qui? Cette synthétique. C'est une fugitive, propriété de l'Institut. Je dois la désactiver et la ramener. Quant à vous, vous allez mourir comme tous les autres. Ah oui, carrément. Maintenant, fini de rire. Vous avez vu le peu de dégâts qu'il a pris? On va essayer de le désarmer. Où est-ce qu'il est? Putain, il est invisible en plus, ce con. Vache. Putain, mais ciao. Maintenant, fini de rire. Tiens, bouffe. Prends ça. Tu vas... Je sais comment je vais le rendre visible. Ça va chier. Bah alors? C'est tout. J'ai pas la bonne arme. Voilà. Tu veux vraiment que ce soit la dernière gueule que tu vois? Fais tes prières. Merde. Il fait mal. Putain, il fait plus mal que le... Bouf! Putain, il s'est heal. Mais tu vas la donner, ta tête! T'aurais mieux fait de filer. Coucher, sale bête! Mais coucher! Putain! Par contre, je vais prendre ta tenue, toi. Ce serait dommage de gâcher ça, pas vrai? Ouais, je suis d'accord. On a une synthétique. Fugitive, donc de l'autre côté. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Faites gaffe. Les endroits comme ça, c'est le paradis des snipers. Vous pourriez me donner un coup de main? Elle est pas moche. Oh putain. Est-ce qu'il a abattu les autres? Putain, il a... Non, pas tous. Il méritait de mourir. K1. L'autre, c'était K2. Moi, je suis un peu coincée, en fait. Je ne peux pas m'en sortir seule. Je vais devoir vous faire confiance. Détendez-vous. Détendez-vous. Tout ira bien. Je n'ai pas vraiment le choix, hein. Le garde a mis le mot de passe dans une boîte à outils, sous l'escalier là-bas. Utilisez-le pour accéder au terminal et ouvrez la porte.
N'approchez pas. Excusez-moi. Je peux pas les fouiller, c'est vraiment dommage. Il est dans la boîte à outils, sous l'escalier. Oh mais attends, je vaux mieux que ça, merde. Oh. Approach. Finition. Casualties. Oh putain, on est pas rendu. Hein. Celui-là, il est dur. Mais je vais le trouver. Je vais le trouver. On va le trouver, chers amis. Hop. Ok. Voilà qui va grandement nous faciliter la tâche. Ça y est. Voilà, on l'a eu. Commande de la porte de sécurité. On va pas mettre l'ascenseur en marche tout de suite. Je ne sais pas quoi dire. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? L'institut m'a donné le matricule K198, mais je préfère Jenny. Je suis une synthétique, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. D'accord. Je savais qu'ils allaient m'envoyer un chasseur, mais je pensais pas qu'ils me retrouveraient si vite. J'aurais sûrement réussi à lui échapper, mais je me suis fait capturer par ces mercenaires. Alors si tu peux échapper à un chasseur, mais pas réussir à échapper à des mercenaires, t'es nul, hein. T'es vraiment nul. Je vais essayer de récupérer du matériel avant de partir. Et oui, vas-y, fais. Au cas où vous poseriez la question, non, je n'ai plus besoin de votre aide. Le Commonwealth, c'est tout sauf un camp de vacances. Je dois apprendre à m'en sortir toute seule ou je suis fichue. On se putain, je voulais en faire un follower. Meilleures circonstances, j'espère. C'est bien plus beau que toi, voilà, c'est ça. Qu'un Nick Valentine. Merde. Merde. Ah, oh, je suis vexé. Je voulais vraiment faire un follower, hein. Les mecs, je vous sens pas si par contre. Vous devez me tuer, alors allez-y. Mais non. Calmos. Oh. Oh. Cambridge. Il faut un terminal. Où est-ce qu'on va atterrir? Où est-ce qu'on va atterrir? On va être vachement haut. On va être énormément haut. Carrément hyper méga giga haut. Ah oui. Oh. C'est con. Ouah, cette vision. Bah on pouvait pas mieux terminer l'épisode. Franchement. C'est juste magnifique. Une fois un pauvre type a cru pouvoir m'échapper en se planquant dans un de ces trucs. Il a pas fait 4 étages. Dommage qu'il y ait un léger clignotement. À la manière, je pensais qu'on pourrait voir le bateau d'ici. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Peut-être par là. Non, pas du tout. Le moindre faux pas dans un endroit de ce genre pourrait être le dernier. Oui, on a bien compris. Bon, eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je pense que je vais aller activer l'ascenseur, on va descendre ensemble. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, ça c'est bien fait, ils sont barrés. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dans votre lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu, ainsi que le jeu Mad Max, Star Wars Battlefront, The ABC Murders. Encore une fois, merci à eux. Nous, on se retrouvera en bas. Non, mais, oh, putain, tu te répètes, Nick. Hein. Faut vraiment que je change, Nick. Hein. En plus, il est pas customisable visuellement, donc c'est chiant. Et bah, remarque, la fille synthétique aurait été cool. Je veux dire, comme je parlais justement au début de l'épisode, il va y avoir des mods. Il y a des mods de skins. J'aurais peut-être pu mettre un skin sympathique et trouver des fringues un peu plus sympathiques. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter vis-à-vis des mods hein, si vous voulez voir ou non un peu plus de peau, entre guillemets, un peu plus de. De commandes. Oui, de chair, entre guillemets, littéralement. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à me proposer des mods. Vous pouvez le faire, chers amis. Vous allez sur Nexus Mod, tout simplement.
Oula, j'ai pas vu ça. Ça doit être pour une tourelle. Ouais. Vous allez sur Nexus Mod, vous me proposez un mod, vous me dites si ce mod-là est trop ou pas assez, vous le mettez dans Steam, vous le proposez sur Steam directement dans le groupe Steam, ou n'importe quoi, vous dépatouillez, je sais que vous y arriverez, chers amis, hein, de ce côté-là, j'ai pas de doute. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment ça l'objectif, c'est n'hésitez pas, vous êtes libre de me proposer des choses, donc faites-le tout simplement. Après, encore une fois, il n'y aura pas de boobs, il n'y aura pas de touch, comme dirait l'autre. Il y aura, en gros, il n'y aura pas de nude, il n'y aura pas de nude mode. Si vous avez des vêtements sexy, vous pouvez encore les proposer s'ils sont RP. Par exemple, j'accepterai encore des fringues un petit peu déchirées. Mais j'accepterai pas, par exemple, de me balader en armure en métal avec qui soit juste en fait des cache-tétons, quoi. Vous voyez le truc ? Je demande un truc qui soit un minimum RP. Si c'est sexy, bah écoutez, on pourrait le mettre si ça correspond à des trucs sympas. Tant que c'est pas hardcore, en fait, voilà. En fait, c'est ça. C'est tant que c'est pas hardcore. Ça peut être joli, ça peut être RP, ça peut être sexy, ça peut être une référence. J'ai vu par exemple qu'il y avait un mode avec une armure de Colossus, par exemple aussi. Ça n'a rien de sexy du tout. C'est juste un mode visuel, moi, qui me rappelle un personnage de Marvel que j'aime beaucoup. Je l'installerai pas parce que je la trouve pas belle, l'armure en elle-même. Mais sur le principe, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tant que ça vous plaît, vous me le dites. Voilà. Et moi, je verrai derrière si je le mets ou pas. Donc voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.